sommes en l'an 2020. L'homme est allé sur la Lune et s'y est implanté. Il s'apprête désormais à franchir une deuxième étape dans sa conquête de l'espace. Une équipe d'astronautes doit atterrir sur la planète Vénus. Les scientifiques caressent l'espoir qu'il existe une forme de vie semblable à la vie terrestre sur cette planète qui ressemble par bien des aspects physiques à la nôtre. L'expédition spatiale internationale, formée de 3 fusées, Sirius, Vega et Capella, entame la dernière partie de ce long voyage après avoir parcouru sans encombre plus de 300 millions de kilomètres. Ils approchent maintenant rapidement de leur destination. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Oui, professeur. Capella est entré en collision avec une météorite. Et l'équipage? Ils n'ont aucune chance d'en sortir vivant. Entrez en contact avec Sirius, dépêchez-vous. Oui. C'est trop injuste. Ils étaient presque arrivés. C'est vraiment terrible, mais il ne faut surtout pas se laisser abattre. Il faut garder le moral. Hein, André? C'est tellement soudain. C'est vrai, on parlait il y a une demi-heure. On rigolait. La base lunaire nous envoie un message. Ça doit être Hartmann. Sirius, Vega, écoutez attentivement. Comme vous, nous avons reçu un choc à la nouvelle de l'accident tragique de Capella. Nous devons malgré tout poursuivre l'expédition en respectant la procédure. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre vos 2 vaisseaux en orbite et d'attendre l'arrivée de la navette Astor. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire combien de temps cela prendra. Dans l'intervalle, réunissez les instruments de mesure atmosphérique afin d'être prêts une fois le moment venu. Terminé. C'est super, on n'a plus qu'à attendre. Peut-être pendant des mois. Si ça leur chante. Ne voulez pas arrêter de vous plaindre. C'est à Hartmann qu'il faut dire tout le mal que vous pensez de son plan. Si Hartmann décide qu'on va passer notre vie en orbite dans cette fusée, eh bien le mieux qu'on ait à faire, c'est de s'y préparer tout de suite, parce qu'on n'aura pas le choix. Nous en voudra pas si on fait des efforts pour se rendre utile. Qu'as-tu derrière la tête? Dites-moi, commandant. Le plan de base consiste bien à faire atterrir une fusée. En gros, oui. Il s'agit de la fusée qui contient la machine. Oh, je vous en prie, commandant. Nous pourrions très bien atterrir à sa place. Mais la machine est programmée pour étudier la planète. Oui, et alors? Vous ne pensez pas que l'être humain soit plus qualifié pour de telles découvertes? Je suis plus rapide et plus intelligent qu'un robot. Ça se voit, non? Et puis ce serait aberrant qu'il n'y ait qu'un robot qui pose les yeux sur Vénus. D'accord, André. Imaginez qu'on décide de suivre votre idée. Qu'est-ce qu'on raconte à Hartmann? Ne lui parlons pas de cette proposition. On ne peut pas prendre ce risque. Il doit bien y avoir une solution. Contactez Current. Demandez-lui le plan d'atterrissage pour vaisseau auxiliaire conçu par l'ordinateur interne du robot. Un jour, les robots dirigeront les humains. Réveille-toi, John. Réveille-toi. C'est l'heure, John. Mets tes circuits en route. Je vous entends. Bien, tu vas nous guider. Je veux que tu m'écoutes, John. Il faut absolument que tu me recalcules le programme d'atterrissage sur Vénus pour les unités Sirius et Vega. Toi, John. Moi et Sherman, dans la même navette. Puis le commandant Lockhart, Walters et Ferno dans l'autre navette. Première navette Sirius, deuxième navette Vega. Problème, atterrissage sur Vénus et retour à la base. Atterrissage 3 par 3. Retour 5 dans Sirius. 1 ne repart pas. Dis-moi qui reste sur Vénus. Si l'un d'entre nous 6 doit rester, ce sera moi. J'appelle Lunaire 7. Lunaire 7, vous m'entendez? Ici le module de commandement Vega. Module de commandement Vega. Bien reçu, Vega. Je vous écoute. Professeur Hartmann, une communication du Dr Evans. Le robot conçu par Alan Current a programmé un nouveau plan de vol. Nous demandons l'autorisation de faire atterrir le vaisseau auxiliaire avec à son bord Current, Sherman et le robot.
Ils vont chercher un endroit sûr où puissent les rejoindre l'équipage de Sirius Lockhart, Walters et Ferno. En ce qui me concerne, je préfère rester en orbite afin de m'assurer que le retour de la navette Sirius s'effectue sans aucun problème. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrivée de la navette Astor. Marsha, c'est le professeur Hartmann qui vous parle. Cela me paraît être une excellente initiative. Seulement, je crains que ce ne soit un peu dur pour vous psychologiquement de rester seul tout ce temps à bord de Vega. Apportez-moi les résultats des tests psychologiques d'Evans. Il est vrai que j'avais prévu d'atterrir sur Vénus avec les autres, mais... Il faut que quelqu'un reste à bord et ça ne me dérange pas. Au final, pour moi, c'est pareil. Professeur Hartmann, faites-moi confiance, je sais que j'y arriverai. Moi, je vous fais confiance, Marsha. Qui est là? C'est moi, Sherman. Voyons, professeur, on ne vous a jamais dit que les femmes étaient plus résistantes que les hommes? C'est vous qui avez raison, Sherman. Comment ai-je pu douter de vous à cet instant? Vous avez mon autorisation, Marsha. Merci de votre confiance, professeur. Je vous recontacterai à 4h00 et je vous donnerai un compte-rendu de notre avancée. Commandant Lockhart, un message de Vega. Lockhart. Hartmann nous a donné le feu vert. Vega atterrira en premier, Sirius suivra. Bien joué, Vega. Une fois là-bas, comment sommes-nous censés rentrer à la base? Marsha reste en orbite. Elle nous guidera sur le retour. Dans ce cas, tout est en ordre. Il ne reste plus qu'à y aller. John le robot a recalculé les détails du plan de vol. Alors allez-y, ne vous inquiétez pas, on vous rejoint. Toujours partant, André? Oui, commandant, je suis prêt. Moi aussi, je vous suis. Sherman, faites-nous de la place, on arrive juste après vous. Vous éloignez pas trop du vaisseau. Faut qu'on vous retrouve. Intact. Rendez-vous sur Vénus. Mesure de la pression à la surface de la planète Vénus, 2 et 3. Aucun signe d'ouverture pour l'instant. Analyse des sols, composée à 30% de cendres. Je vois une lumière. C'est un point lumineux de couleur rouge qui dégage une immense lueur. L'enfer, voilà à quoi ça me fait penser. Nous réunissons actuellement le plus grand nombre possible d'informations afin de préparer au mieux l'atterrissage. Cependant... aucune observation faite en orbite ne répondra à la question que tout le monde se pose et qui nous a poussés à venir jusqu'ici. Y aurait-il une quelconque forme de vie sur cette planète? Et si oui, quelle est-elle? Je doute fort que nous trouvions une trace de vie sur Vénus, Marsha. Sur une planète aussi proche du Soleil, ça m'étonnerait. Et si au lieu de trouver un nouveau monde, nous finissions dévorés par ces flammes? Imaginons... que cette immense tache rouge émane des lumières d'une ville. Sirius, écoutez! Sirius, écoutez! Sherman, Current ainsi que le robot John seront prêts à embarquer à 0h45. Je vous envie, Sherman. Vous et Alan Current, vous serez les premiers hommes à poser le pied sur Vénus. Sirius vous souhaite bonne chance. Souriez, les gars, le monde entier vous regarde. Bon voyage. Il s'apprête à pénétrer dans la couche nuageuse. Il progresse normalement. Ils y seront d'un moment à l'autre. Noir et blanc. Je n'aime pas ça. L'invisibilité est presque nulle. Je préfère laisser les commandes à John. Droit devant, montagne, relief escarpé. Je remonte. Waouh, c'était juste. Bravo, John. Nous cherchons un endroit où nous poser. Ce que nous voyons est très étrange. C'est comme si nous avions remonté le temps. On dirait une planète préhistorique. C'est tout à fait ça, une planète préhistorique. Regardez, voilà un endroit solide et plat. C'est parfait. Sirius, écoutez attentivement. Votre lieu d'atterrissage se trouve à la parcelle 73.
Nous sortons le train d'atterrissage. Notre lieu d'atterrissage se situe à 300 mètres au sud-ouest de la parcelle 73. Oh, mais il y a de l'eau en dessous de nous. Le courant nous emporte. Commandant Lockhart ? Commandant Lockhart, que se passe-t-il ? Marsha, pas de raison de s'inquiéter. C'est tout à fait normal que le signal soit coupé par l'horizon. Je suis sûr qu'ils ont réussi à se poser. Et dans une heure, lorsque nous aurons quitté notre orbite, nous les recontacterons. Bien, commandant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Pas pour l'instant. Le mieux que nous ayons à faire est de nous reposer. Sherman ? Current ? Répondez. Current ? Sherman ? Ici Sirius, je vous écoute. Je crois que ça ne sert à rien de s'obstiner. Nous n'avons pas le choix. Nous devons y aller. Il est temps de préparer le vaisseau. N'oubliez pas le carburant. Nous aurons besoin du véhicule. Marsha ? Marsha, vous m'entendez ? Oui, commandant. L'équipage de Vega est injoignable. Nous allons partir à leur recherche. Oui, commandant. Écoutez-moi bien. Si par malheur nous avions un problème, surtout gardez votre sang-froid. Pour vous, j'en fais la promesse. Vous savez, il m'arrive d'avoir des doutes. Moi aussi, ça m'arrive, c'est normal. Nous avons besoin de vous, vous êtes courageuse. Alors prouvez-le. C'est promis. Sirius, vous m'entendez ? Ici le professeur Hartman. Ici Lunaire 7. C'est le professeur Hartman qui vous parle. Je veux que vous vous sentiez libre d'interrompre l'expédition si vous le souhaitez. Je m'en remets à vous. Ne prenez pas de risques inutiles. Vos vies sont bien trop précieuses. Dans votre entourage également, on a hâte d'entendre le récit de vos aventures. Nous vous souhaitons tous bonne chance. S'il vous plaît. Ici Sirius. Mes hommes et moi-même sommes sur le point de faire le grand saut. Le terrain d'atterrissage repéré par Vega se situe dans la parcelle 73. Notre objectif est d'entrer en contact avec Sherman et Current et de leur apporter notre aide si nécessaire. Je vous serai à jamais reconnaissant, professeur. Diriger cette mission est pour moi un honneur. J'espère que vous serez tous fiers de moi. Nous dédions cette mission à tous les peuples de la Terre. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre. Que croyez-vous qu'ils vont trouver là-bas ? Je n'en sais absolument rien, mon garçon. Contentons-nous d'espérer qu'ils s'en sortent vivants. Conseil, ne vous réjouissez pas trop vite. Est-ce que nous sommes à niveau ? De ce côté-là, aucun problème, commandant. Notre niveau est parfait. Oh, qu'est-ce qu'on se sent lourd ! J'ai l'impression d'avoir grossi. On a pris 50 kilos d'un coup. C'est très étrange. C'est comme d'être sur la terre ferme. Ah bon, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais alors moi j'ai envie de voir Vénus. Ouvrez le hublot numéro 3 et envoyez le faisceau.
on n'y voit rien. Qu'est-ce que ça donne sur l'écran? Ça va, on a une bonne image. Je vais pivoter la tête. Ces formations rocheuses sont bizarres. J'ai vu quelque chose. Je mets en marche le micro extérieur. Qu'est-ce que c'est? Une voix humaine? Silence. Ça y est, c'est fini. Je veux que vous copiez cette bande. Pendant ce temps-là, vous allez m'analyser l'atmosphère de cette planète. À vos ordres, commandant. Enfilez votre scaphandre, on va tenter une sortie. André, je veux que vous essayiez de rétablir le contact radio avec Sherman et Current. Si vous y arrivez, demandez-leur de préciser leur position. Ensuite, vous mettrez votre scaphandre. Nous allons marcher un peu. Ça vous fera du bien de faire un tour? N'oubliez pas que vous parlez au patron. Ce qui est bon pour moi, ça me regarde. Teneur en oxygène 4,3. Ça sera assez. Chance d'atterrir ici, c'est la bonne caillasse bien solide. Ça donne envie de se balader. Ne lâchez pas la corde et restez dans mon champ visuel. Je viens de recevoir une communication. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est Marshall, capte des mouvements. Sherman? Elle n'en est pas sûre, mais il semblerait qu'il y ait deux objets, dont l'un métallique se déplace dans la zone où nous devions chercher. C'est sûrement Current et Sherman. Reviens, André! Contre cette chose.
Vous avez vu ça? Elle fait ça timide maintenant. On pourrait la ramener avec nous, elle ferait sensation aux eaux. Vous devez vous montrer plus prudent. Imaginez que nous ne vous ayons pas entendu appeler. Mais je n'ai pas appelé. Écoutez, on vous a entendu tous les deux, vous avez dû oublier. Mais non, je vous assure. Mais pourtant, on a entendu crier, Lockhart. Allons-y, nous reparlerons de ça plus tard. Vous recontacterez Marsha dès que nous serons à bord. Établis communication avec l'équipage de Sirius à 8h29. Ils ont atterri facilement, comme prévu par Vega, sur la parcelle 73. Marsha, ici le commandant Lockhart. Oui, commandant? Il me semble que vous avez oublié de nous donner quelques détails cruciaux sur le point d'atterrissage du vaisseau auxiliaire. Je dois savoir sur quelle parcelle exacte ils se sont posés. Ah, je suis désolée, commandant. J'étais si heureuse de vous savoir ça, sauf que j'ai oublié de vous communiquer leur position. Ils sont à la parcelle 107 à environ 2 km de la tache rouge. Pour les rejoindre, vous devez parcourir 50 km et traverser la baie. On va avoir besoin d'un moteur. Est-ce que la voiture est prête? Oui, mais elle ne tiendra pas la distance. Vous pouvez me croire, commandant, je la connais. C'est ça ou y aller à pied? On n'a plus qu'à prier pour qu'elle ne nous lâche pas au-dessus de l'eau. Eh ben c'est ça, prier, Walters. Commandant? Oui? Qu'est-il arrivé au robot? Marsha? Marsha? J'ai une autre question. Savez-vous ce qu'est devenu le robot? Oui, il est avec eux, mais il leur pose quelques problèmes. Il a été chargé à bord du vaisseau partiellement désassemblé, et maintenant ils doivent le remonter pièce par pièce. Viens par là. C'est ça, John. Viens ici que je te rende ta tête. Couvrez-moi, Garrett. Attention! En voilà un autre! C'est bon, je l'ai eu. Attention, ils arrivent de tous les côtés! Dépêchez-vous! C'est bientôt fini, John. Il ne me reste plus qu'à verrouiller le système. Et voilà. Fin du montage, 1h10. Grimpe à ce rocher et accroche-y les câbles, John. Avance, vas-y. Sur cette planète. Oui, à tel point que je me demande ce qu'on fabrique ici. Ah, mais vous êtes libre de prendre le premier bus qui passe. Je n'hésiterai pas une seconde, Current, mais ça m'a l'air compromis. Il l'a réussi, sacré John. Tendez bien la corde, n'ayez pas peur, il tiendra le coup. Vous devriez y aller en premier. Je vous suis, je passe derrière vous. Arrêtez-nous ici, nous allons faire une sortie. Vous voyez ce que je vois? En pleine sieste. Espérons qu'il ne se réveille pas avec l'estomac dans les talons. Je vais lui faire une prise de sang, je vais essayer de ne pas me planter cette fois. Piquez-le dans la queue, et surtout restez bien hors de sa vue. D'accord. Dépêchez-vous, Ferno. C'est dans la poche, notre premier prélèvement. Regardez, je l'ai. Vous avez vu, il n'a absolument rien senti. Il dormait bien, faut croire.
Vous avez parlé à Marsha? Oui, et tout ce qu'elle sait, c'est que Current et Sherman se dirigent vers nous. Mais ils se déplacent lentement. Faisons une pause. Il nous reste très peu d'oxygène. J'espère qu'ils sont en route et qu'ils nous cherchent. Avec cette chaleur, je doute fort qu'ils arrivent jusqu'ici. Vous n'en avez pas assez de jouer les oiseaux de malheur? J'ai l'impression de sentir flotter ma tête. C'est normal. Votre combinaison est déchirée. L'infection se répand dans votre corps. Nous devrions peut-être prendre quelque chose. Non, ça nous obligerait à nous arrêter trop longtemps. Continuons. Il le faut. Allez, Sherman. C'est la mer. Voyons, c'est le moyen le plus sûr de ne jamais les retrouver. Il faut que nous en ayons le cœur net, vous ne pensez pas? Encore cette voix. On s'arrête? Une voix de femme. Une femme? Ce serait trop beau. Moi, je dirais un monstre. Cette voix est humaine. Il ne peut y avoir aucun être humain ici. Et nous, que sommes-nous alors? Croyez-moi, André, personne d'autre n'a pu venir jusqu'ici. Mais ce sont ne peut-être que d'origine humaine. Aussi humaine que cette immense plante carnivore qui a essayé de vous dévorer. Je maintiens qu'il s'agit d'une fille. Une fille, oui. Mais recouverte d'écailles. On verra bien. Il en fait son affaire, tant mieux. Il est tout à fait possible que d'autres hommes soient venus sur Vénus. Il semblerait que cette idée vous dérange. Voyons, Hans, vous êtes un homme de science. Vous ne pouvez réfuter une hypothèse qu'en ayant la preuve qu'elle soit fausse. Je ne serais pas tellement surpris si, par bonheur, André trouvait cette femme. D'autant plus que dans cette galaxie, ce ne serait pas la première fois qu'on trouverait de la vie. Ça doit vous paraître idiot, mais je ne connais personne qui puisse vivre ici plus d'une heure ou deux. Et où est donc passée votre rigueur scientifique? Nous sommes sur Vénus, et si mes calculs sont bons, cela fait plus de 2 heures. Alors... Vous avez gagné, allons-y. Je vais vous aider, Sherman. Il faut qu'on avance. Allez, levez-vous.
rester ici, le courant finira par nous emporter. John, amenez-le de ce côté. Il n'y a pas d'eau. Allez, venez, un petit effort, ce n'est pas loin. Il y a une grotte, on sera au sec. Poussez sur vos jambes. C'est ça. Un dernier effort, Sherman, on y est presque. Sherman, est-ce que vous me recevez? Répondez, ici Marsha Evans. Current, Sherman, je vous en prie, répondez. Hans Walters, vous me recevez, ici Marsha? 5 sur 5, Marsha. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment savez-vous que ça ne va pas, d'abord? J'ai appris à connaître les inflexions de votre voix. Oh. Eh bien, je n'arrive plus à contacter Sherman et Current et je commence à m'inquiéter pour eux. Nous allons à leur rencontre. Continuez à émettre. Bonne route. Que Dieu leur vienne en aide. Quoi? Le contact radio avec Current et Sherman a été coupé. Pas de panique. Nous serons bientôt à leur côté. Continuez à émettre. On pourrait peut-être les capter sur leur micro intégré. Je crois que Current en a un dans son casque. Je vais essayer. Je capte une voix. C'est une femme. Sûrement, Marsha. Les signaux sont peut-être trop longs. J'essaie un truc. On augmente. Si on y va point par point, on devrait leur tomber dessus. On va voir ça. John, je vous écoute. Vous m'entendez, John? Je suis Hans Walters et j'ai un message pour vous. Vous me recevez? Ça ne donne rien. Répondez. Augmentez d'un point. Répondez. Mettez en marche la batterie solaire. On perd de la vitesse. C'est fait, commandant. Ici Sirius, je vous écoute. Est-ce que vous me recevez, John? Répondez. Si vous me recevez, répondez. Vous devez m'obéir, John. Pas de réponse. Augmentez la fréquence d'un point. 1, 2, 5. Vous devez réajuster votre fréquence afin de pouvoir émettre. Est-ce que vous m'entendez, John? Je vous reçois. Fréquence réajustée. Pouvez-vous nous donner les coordonnées exactes de l'endroit où vous vous trouvez? Parcelle 40, à l'abri. Qu'est-ce que vous voyez? De l'eau partout qui tombe sur des rochers. Parcelle 40. C'est pas loin. Demandez-lui pour les autres. Écoutez, John, nous voudrions savoir comment se portent vos coéquipiers Current et Sherman. Ils ne parlent pas. Ils ne bougent pas. Dans combien de temps serons-nous là-bas? Je n'en sais rien. On pourrait se servir du robot pour les aider. Excellente idée. Je vous charge de garder le cap. André, je vous laisse les commandes. Ici Lockhart, je veux que tu m'écoutes, John. Je veux que tu m'obéisses et que tu fasses exactement ce que je vais te demander de faire. John, tu m'écoutes? Nous allons sauver Alan. Obéis à mes ordres et tout ira bien. Sors la boîte numéro 2 de la trousse de secours d'Alan Current. Je répète, la boîte numéro 2.
Minutes et 30 secondes, j'ai transmis les dernières informations en date de Vénus à Lunaire 7. À 1h30 minutes et 48 secondes, je suis passé en orbite au-dessus du véhicule de Sirius. Les hommes étaient en train de se préparer à entreprendre la traversée de l'océan. Au moins, nous savons qu'ils sont vivants. J'espère qu'une chose, qu'il le reste. Commandant, regardez, droit sur nous! Astrogun en place, prêt à faire feu. Une sorte de reptile à plumes. Espérons qu'il ne nous ait pas vus. L'Astrogun, il l'a visé. Gardez votre calme, vous pouvez être sûr qu'il va rabuquer vers nous. Bien. Hans, descendez. Leur voilà. Ne le ratez pas. Que dois-je transmettre? Recevez. Ici Marsha Evans, répondez. Unité de commandement Vega. Marsha Evans pour Lunaire 7, répondez. Oui, Marsha, nous vous écoutons. J'ai besoin d'établir une procédure d'urgence immédiatement. Professeur Hartmann, je vous écoute. Que se passe-t-il, Evans? J'ai perdu tout contact avec les deux équipages débarqués sur Vénus. Aux dernières nouvelles, Lockhart, Fernault et Walters subissaient l'attaque d'une sorte d'oiseau reptilien d'une force incroyable. Il semblerait qu'ils aient plongé. Je crois qu'ils ont besoin de moi. Dois-je atterrir? Écoutez-moi attentivement, Evans. Il serait extrêmement... Lunaire 7, je ne vous entends plus! Lunaire 7, ici Marsha Evans. Répondez, je vous en prie! Est-ce que vous me recevez? Professeur Hartmann, répondez, je vous entends, s'il vous plaît. Vega. Que se passe-t-il? Pourquoi ne peut-on pas lui parler? Un instant, professeur, je vérifie les branchements. J'appelle Vega. Ici le professeur Hartmann. Ce message s'adresse à Marsha Evans. En aucun cas, vous ne devez dévier de la trajectoire orbitale. Je vous l'interdis formellement. Je suis désolé, professeur, mais ne vous entends pas. Il y a un court-circuit dans le système. Alors qu'est-ce que vous attendez pour le réparer? Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette discussion en suspens. Professeur Hartmann, répondez! Je ne sais pas quoi faire. Leur véhicule n'est pas conçu pour l'immersion. Mais si leurs scaphandres ne sont pas abîmés, ils ont peut-être pu sortir.
sauf s'ils sont blessés. Si c'est le cas, ils ont besoin de moi. Seulement si je quitte mon orbite maintenant, j'atterrirai à l'opposé de leur secteur. J'ai encore une heure à attendre avant de pouvoir mettre les gaz. Une heure. Je dois aller à leur secours, je le sens. C'est mon devoir. Arrêtons-nous un instant, je fatigue. Si mes calculs sont exacts, nous ne sommes plus très loin de la plage. J'espère qu'il ne nous lâchera pas une fois là-haut. Vous en faites pas pour ça, je réponds cet engin. Regardez, on dirait qu'on a creusé un chemin entre ces deux falaises. Je vais jeter un coup d'œil. Donnez-moi 5 minutes, il y a peut-être une découverte à faire. Vous avez vu? Ce poisson a une queue de requin. Oui, mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il a une tête de dauphin. André, ne vous éloignez pas trop! Été taillé dans la roche. Vous vous aventurez trop loin. Il est temps de rebrousser chemin. Je jette un coup d'œil. Je sens que je vais faire une découverte intéressante. C'est impossible. C'est une statue. André! Qui est-il? Par ici, venez voir. De ce que je vois, c'est un arbre pétrifié. Vous plaisantez, j'espère. C'est une statue en bronze. Il n'y a pas que du bronze dans cette statue. Il y a aussi des rubis. C'est une blague. Où ça? À cet endroit précis. Dans l'œil de l'idole. L'idole? C'est un reptile. Il ressemble étrangement au monstre qui nous a attaqués tout à l'heure. À la surface. Vous aviez raison, André, je n'aurais pas dû me moquer. Il y a eu une civilisation sur Vénus. Et je vous parie qu'elle existe toujours. Cette roche currante n'est autre que du métal d'origine volcanique. Elle absorbe l'oxygène. Pauvre John, c'est bien le seul qui travaille ici. Vas-y John, c'est ça. Je me verrais bien faire construire une petite maison dans cette vallée. C'est un bel endroit. Eh bien, ne vous vexez pas si je ne vous rends pas visite. Moi, elle me file le bourdon, cette planète.
On s'est pourtant bien amusé tout à l'heure avec les hommes lézards. Regardez, ça y est, l'arbre tombe. On va bientôt avoir notre pont. Au-dessus du gouffre. Que voulez-vous écouter, monsieur Current? Je vous laisse choisir le programme, mon cher John. C'est tout ce que j'ai trouvé, capitaine. Parfait. Il va nous en falloir du bois si on veut faire sécher toutes les affaires qui étaient dans la voiture. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Hans, la batterie fonctionne ? Oui, elle était au sec. Et les bougies ? Oui, c'est bon. Si tout est en ordre, pourquoi avez-vous l'air inquiet comme ça ? Tout n'est pas en ordre. J'ai refait les branchements, j'ai vérifié chaque câble de la radio et tout ça pour rien. Impossible de la faire marcher. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la remettre en route. Mais elle ne veut rien savoir. Tu aurais peut-être dû lui dire des mots d'amour. Tu me cherches ? Il y a plus important que cette radio. Il y a cette découverte que nous venons de faire. Cette civilisation. Nos preuves en sont la statue... et les rubis. Et la fille, commandant. Il faut découvrir où elle se cache. Je vous laisse ça, André. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque part un peuple entier qui nous regarde et qui nous observe et qui aurait peur de nous rencontrer. On ne meurt pas, que je sache. On vient de l'espace. On se bat. Je comprends tout à fait qu'ils nous prennent pour des monstres. Pourquoi ne seraient-ils pas humains comme nous? Sans aller jusque-là, ils pourraient nous ressembler. Mais attention. Tout ce que j'ai avancé jusqu'ici ne sont que des hypothèses. Je veux juste que nous nous tenions prêts à y faire face. Ils ont existé, mais leur cité a été recouverte par la mer. C'est une évolution des plus courantes. Souvenez-vous que nous, les humains, descendons d'un obscur poisson. Dans ce cas, ils auraient bâti une autre ville ailleurs. C'est peut-être ce que nous découvrirons lorsque nous explorerons la planète. Est-ce que cette femme doit être belle ? Elle a dû t'entendre. Il faut retrouver la source sonore. Mais ça vient de partout à la fois. Elle veut peut-être nous délivrer un message. Peut-être qu'elle veut nous aider. Si seulement je pouvais voir à quoi elle ressemble. Cette belle jeune femme dont j'ai si souvent rêvé. Ou êtes-vous une de ces créatures monstrueuses à la laine de feu qui peuplent mes cauchemars? André, dépêchez-vous, on y va. Merci de m'avoir attendu. Alors, où est votre ami? Vous ne la présentez pas? Arrêtez de l'embêter, Hans. Vous ne voyez pas qu'il est amoureux? Rires.
C'est étrange. Il fait si sombre tout d'un coup. Ça n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a un nuage de cendre juste au-dessus de nous. Un nuage de cendre? Un volcan actif. Ouais. C'est spectaculaire. Vous voyez cette lueur derrière le cratère? Ça brille comme une ville. Il s'agit sûrement de la tache rouge qu'André a vue du vaisseau. Faut s'en aller le plus vite non, possible. Non, tu rentres pas tout de suite. C'est peut-être notre seule chance de faire des prélèvements. De cendres et de lave. C'est bien ça notre mission, non? Oui. Je propose qu'on se trouve un endroit où il fasse un petit peu moins chaud qu'ici. Suivez-moi. Allez. Mais regardez, voyons, c'est splendide. Ça n'a rien à voir avec un volcan terrestre. Thank you.
Sherman, Current. Commandant. André, laissez-moi vous aider à descendre l'âne. J'ai bien cru que je ne reverrai jamais vos sales trucs. On se met en quatre pour le sauver, et la première chose qu'il fait, c'est de nous insulter. Si on avait su, on aurait sauvé le robot à sa place. Pourtant, pourquoi, mon vieux? Je savais que vous alliez vous en sortir. En revanche, pour le robot, c'est fini, n'est-ce pas? Oui. Ce n'était rien qu'un monstre de métal. Et pourtant, quand il a senti que sa fin était proche, il a crié mon nom. Cet océan est à la fois très calme et très effrayant. J'imagine que c'est ce que l'on perçoit, si on fait un effort d'imagination. Nous serons bientôt rentrés. Certes, mais nous ne serons pas au complet. Allez, venez. Ne restez pas ici tout seul. Du nouveau? Non. Rien à faire. Moi, je ne vais pas moisir ici. Qu'est-ce que vous en savez? On n'a plus rien à faire sur cette planète. Eh bien, on n'a toujours pas trouvé la copine d'André. Ils ont de bonnes bouilles. Vous les appelez comment, tous les trois? Avec des triplés, les numéros, c'est plus pratique. Ouais, mais on peut toujours les confondre. Vous avez pensé leur acheter des dossards? Vous n'êtes pas sérieux. Bah écoutez, ça suffit. Les noms, je les oublie. Ah, maintenant, je comprends mieux. Alors comme ça, vous avez les preuves qu'un peuple habitait sur cette planète. C'est dur à croire. Que vous le croyez ou non, mon cher Alan, c'est la vérité. Et il se peut qu'il soit toujours là. Ah, vous ne me ferez pas avaler ça. Qui pourrait survivre dans un endroit pareil, hein, franchement? Vous survivez? Les hommes, avec le temps, sont presque toujours parvenus à s'adapter. Je sais que vous n'ignorez pas que nos ancêtres vivaient sous l'eau. Pendant des siècles, la Terre fut toxique. Mais cette atmosphère fit évoluer l'espèce humaine. Il s'agit d'adaptation. Je suis quasiment certain que ce peuple ne pourrait pas vivre chez nous. Il ne pourrait pas respirer. Je n'adhère pas à vos idées, désolé. J'accepterai vos excuses s'il ne s'agissait que d'idées. Mais nous avons des preuves. Les preuves de l'existence d'êtres intelligents. Et les hommes lézards qui nous ont attaqués? Est-ce une preuve? Écoutez, imaginons qu'ils ressemblent à des lézards. Ils pourraient être civilisés. Imaginons qu'ils aient vu nos vaisseaux. Que ça leur ait fait très peur. Qu'ils se soient dépêchés d'enfiler leur costume de lézard et de sauter dans tous les coins pour nous flanquer la trouille. Est-ce que l'un d'entre vous a une meilleure explication? Moi, vous m'avez convaincu. Blague à part, Current. Je sais qu'il a vécu ou qu'il vit des êtres intelligents sur cette planète. Si nous restions plus longtemps, je suis sûr qu'il finirait par venir vers nous. Pas plus tard que tout à l'heure, vous m'avez dit vous-même avoir vu des lumières d'une ville derrière le volcan. J'ai dit qu'on aurait cru des lumières d'une ville, je n'ai rien affirmé. Tenez, vous deux. Buvez donc un peu de café, vous n'avez presque plus de voix. Cette voix qui peut nous envelopper d'un instant à l'autre, à qui appartient-elle? Si seulement je pouvais voir à quoi elle ressemble, ce que cette femme doit être belle. Pourquoi est-ce que je pense à elle tout le temps?
Je ne connaîtrai certainement jamais la réponse. Qu'elle ne veut pas que vous quittiez Vénus. C'est ça, moquez-vous, je vous aurai. Ce serait sûrement drôle si vous la rameniez à la maison, chez votre mère. Et même si on la trouvait, ça m'étonnerait qu'elle ait envie de venir avec nous. Si on avait eu un peu plus de temps pour explorer les hauteurs, je vous parie qu'on aurait retrouvé la fille et la ville. Vous avez dû lire un tas de BD quand vous étiez petit. Je suis sûr que Current ne croirait pas à son existence, même si elle nous attendait au pied de la fusée. Vous voulez parier? On y est. Eh bien, les gars, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Vous avez vu tous les échantillons? On va faire les gros titres quand ils auront révélé les secrets de ces précieuses boîtes. Cela est destiné à un homme fort. C'est ça. En attendant, n'oubliez pas le spectrographe. Ce sont les dernières. Commandant Lockhart, venez vite, nous avons reçu un message enregistré de Marsha. J'espère que les magnétophones automatiques de Sirius fonctionnent et enregistreront ce message. J'ai perdu tout contact de radio avec la base lunaire avant de pouvoir recevoir leurs instructions. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre en orbite alors que mes collègues ont besoin de moi. J'ai donc décidé de désobéir et d'atterrir sur Vénus. À l'instant où je vous parle, l'écran de contrôle du système automatique indique une minute avant la mise à feu. Je... C'est très mauvais. C'est peu de le dire. Marsha a commis une erreur de jugement. Désastreuse. Nous ferions mieux d'élaborer un plan. Et un bon. Impossible de savoir où elle se trouve. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle est en vie. Vega, ici Sirius. Répondez, ici elle Sirius. Elle a pu s'écraser et brûler dans ce vaisseau. Vous me recevez ? Espérons que non. Nous devrions prévenir Hartman. Nous ne pouvons communiquer avec lui qu'en passant par Vega. Messieurs, nous devons agir. Vous, Sherman, Current, André, j'ai ceci à vous suggérer. Il se peut qu'elle soit là. Hans et moi allons sortir en orbite pour observation. Nous tenterons de localiser Vega. Si nous la repérons de là-haut, et j'espère que ce sera le cas, nous vous contacterons ainsi que le professeur Hartman.
Excellente idée. Qu'en pensent les autres? Je pense qu'il faut mettre ce plan à exécution aussi vite que possible. André, avec moi. Hans. Ce terrain était d'un seul morceau quand nous avons atterri. La rivière se creuse à nouveau lit. Vite, par ici, venez voir. C'est une crevasse, elle s'est formée à l'instant. Si elle s'élargit, on peut dire adieu à la fusée. Vite, lance-moi accélérer. Alléger la fusée, on peut y arriver. Marcha. Hans, à quand remonte cette dernière transmission? 7h20. Il me semble que c'est ce que vous aviez dit, en tout cas. Je n'ai rien dit de tel, mais peu importe. Je viens de trouver un message qui a été enregistré après. Finalement, elle n'a pas atterri. Elle est toujours en orbite. Vous êtes sûr? Essayez de la contacter. Marcha, ici Sirius, vous me recevez? Répondez ici Lockhart, je vous écoute. Tout va bien. Et finalement, j'ai pu parler au professeur juste avant que la fusée ne décolle. Il m'a ordonné de rester en orbite et il a bien fait. Il m'a fait prendre mes responsabilités. Je lui en suis très reconnaissante, vous savez. Mais votre orbite n'est pas la même. Le système de propulsion était déjà en marche et la fusée est partie comme il était prévu. Je comprends mieux le plan d'Hartmann maintenant. Écoutez, envoyez-nous vite toutes les informations sur votre position. Attention, remontez à bord immédiatement. Que se passe-t-il? Nous avons des nouvelles de Marcha. Elle est restée en orbite. Marcha. André, allez éteindre la station météo. Oui, commandant. Dépêchez-vous, André! Dépêchez-vous! J'arrive, j'ai fini!
Ainsi, la recherche de vie intelligente menée par l'homme sur d'autres planètes et dans d'autres galaxies n'est-elle pas prête de s'arrêter? Car elle est au cœur et au fondement même de cette formidable aventure qu'est l'exploration de l'univers.